Je suis parti sur les hauteurs des Hautes-Rivières. Et là, je tombe sur ce petit sentier, après avoir bien grimpé, qui est bien plat. Donc ça permet un peu de récupérer à l'ombre, parce qu'il fait beau. Aujourd'hui, enfin, il fait 11 degrés. Et voilà. On récupère en marchant, en soufflant. Ah non, non, mais non. Je n'oserais pas me moquer de quelqu'un en particulier. Et voilà. Elle est pas belle, la vie, finalement. La vie, c'est ça. C'est plein de belles surprises comme ça aussi. Des belles découvertes. On n'y rencontre pas un chat. Bon, vous voyez, ça monte un petit peu là. Et enfin, ça monte un petit peu beaucoup depuis le début. Hein. Et c'est beau comme tout. Regardez là, il y a de la roche. Et le petit sentier continue par là. Logiquement, je dois me retrouver au parapente, au-dessus des Hautes-Rivières. Vous voyez, à la hauteur à laquelle je suis déjà. Tout là-bas au fond, c'est les Hautes-Rivières. Et en bas, c'est la Semois. Donc voilà le panneau qui indique qu'on est bien arrivé sur le site de décollage. Bienvenue à tous sur le site de Nohant Décollage. Donc voici le site du décollage de Nohant Hautes-Rivières, là, pour le parapente, avec la Semois en bas. Voilà, ben, mon Jean-Noël, sacré grimpette. Hein. Donc moi je suis parti du pont de Nohant, et puis je suis monté, et ça grimpe. Pendant un bon bout de temps, et me voilà sur le site du parapente de Nohant les Hautes-Rivières. Et là, tu as une vue magnifique. Donc, c'est un circuit que tu peux faire avec ta jument verte, là, avec ta jolie jumper, sans problème. Et puis, tu casses la route là-haut. Voilà. Mais je redescends parce que j'ai faim maintenant. C'est malin. Hein, et puis, c'est tout. Bon, je vais me dessaper parce que j'ai eu chaud. Alors comme on dit ici, j'ai eu chaud à la couenne. Donc voilà, en montant, il faisait un peu frais au départ. Maintenant que je vais redescendre, je suis toute mouillée. Maintenant que je vais redescendre, j'enlève ça. Parce que sinon, si j'arrive toute mouillée en bas, ça va pas aller. Non, mais ça va sécher en redescendant, ça. Je vais foutre ça autour de ma taille. Allez, voilà. Et puis, on va repartir pour la descente parce que je commence à avoir les crocs, les copains. Ça vous étonne? Moi, pas. En tout cas, oui, je transpire du pif aussi. De l'intérieur du pif, c'est une cheminée, c'est une cheminée de refroidissement. Je suis une centrale nucléaire, et puis c'est tout. Bon, on est reparti, la guêpette, elle est bien mouillée aussi à l'intérieur. Les lunettes,
pour la descente. Voilà. Et puis on va remettre le sac à dos et tout ça, quoi. Allez, c'est reparti mon kiki. Regardez là, la jolie fourmilière sauvage qui s'est mise sur une souche d'arbre. Donc il y a des entrées, il y a des sorties là-bas, voyez. Il y a deux galeries, deux tunnels. Et alors il y a une belle activité là. Ça grouille, grouille, grouille les copains. Une armée. En fait, vous avez compris pourquoi j'aime plus la rando que le vélo, que n'importe quoi d'ailleurs, parce que la rando, bah, à chaque pas, c'est une découverte. Hein. Vous voyez la fourmilière qu'on vient de voir ensemble. Bah, tu passes à côté à bicyclette, mon nono, tu la vois pas, hein, la fourmilière. Tu l'as dans le baba, et puis c'est tout.